ici Rachel, pour un nouvel épisode de Total War, Warhammer, j'espère que vous allez bien, et on va continuer cette campagne fabuleuse avec l'Empire. Bien, donc du coup, là j'ai un peu réfléchi, j'ai fait un peu quelques trucs de gestion, vite fait j'ai ajouté des trucs, des traits pour lui qui sont plus avantageux contre les vampires, aussi quelques trucs de, je lui ai ajouté une bannière de perforation d'armure. J'ai fait cette construction ici pour avoir la reconstitution dans la région du Talabec, des champs. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait comme construction, je pense. J'ai encore fait 2-3 merdes, mais c'était pas très important. Ah oui, si, j'ai fait un accord commercial avec la Tilée, là en bas. Avec l'Estalie, pardon. Voilà, comme ça on gagne un peu plus d'argent. J'ai pas encore fait avec les principautés frontalières parce qu'elles sont en guerre avec mes alliés nains. Donc j'ai pas envie que ça soit mal vu. Lui, il va au truc pour la quête, ici, il va à Reichland. Pour la quête, la cape scintillante, le seau d'argent, pardon. Et la cape scintillante, ben, je pense qu'on l'a fait, là maintenant il devait être dans le royaume des nains, lui. Notre guerrier ici, donc c'est fait. Un corps de tour et l'armée contre les vampires sera prête. On pourra, à Lemotte, on pourra faire un petit switch d'unité, voir ce qui nous manque par rapport à ce qu'on a encore là en réserve. Et, mais je pense que c'est plutôt bien comme ça, au fait. Je sais pas du tout, je pense que c'est bien. Donc cette armée, ce sera l'armée de Backer. Elle va rester comme ça, on va la laisser comme ça, parce que vous voyez que les vampires ont énormément d'armées. Ils ont pas de très bonnes unités, enfin des unités basiques, quoi. Là, peut-être qu'ils ouais, ont peut-être des unités un peu spéciales, ici. Ils ont les horreurs des cryptes et tous ces bordels. Donc il vaut mieux avoir deux armées prêtes à intervenir. À part ça, il y aura les nains qui viendront nous aider aussi, dès lors qu'on aura déclaré la guerre. Ici, cet agent qui m'énerve. Je suis trop loin, il y a trop de corruption de tous les côtés. Donc on va le laisser là, on verra bien. Peut-être qu'avec les répugnateurs en revenant. Le chaos arrive, il y a encore un agent ici aussi, donc il est vraiment pas loin. Mais bon, il y a des vampires d'abord ici à combattre. Donc c'est à eux de gérer ça d'abord. En tout cas, lui il est prêt, Balthazar. Ici il y aura peut-être une bataille avec les Skellygians qui nous assiègent presque. Enfin, ils sont devant notre port. Donc il y a quand même Marienbourg, je leur ai dit de m'aider directement, de venir attaquer. Donc ça peut être pas mal. Et c'est tout, hein. Je pense qu'on n'avait pas de malus. Si on avait apporté de déplacement, moins, encore un tour, mais c'est pas grave. Ça on s'en fout aussi, et ça ok. Sinon au niveau de la gestion tout se passe bien à part 2-3 bâtiments à construire. Le plus important est déjà fait, hein. Je vous signale qu'on peut quand même déjà prendre les demi-griffes à Altdorf, peut-être pas encore ici. Les canons on peut les prendre aussi, les libologes de Ish aussi, les libologes de Ish, que d'ailleurs je vais faire un petit instant lore dans quelques instants concernant les libolos. Et je pense que c'est bon. Ouais, comme ça on peut faire ça, c'est pas mal. Il y a direct là Manfred qu'on pourrait direct combattre, ça peut être pas mal aussi. On va voir comment on va faire ça avec les vampires qui va commencer. Et ici on tient bien la distance. Lui il doit encore monter. Ouais, pardon. Lui il doit encore monter au fait pour soutenir Balthazar, mais pour l'instant ça va. Il faudrait vraiment que Manfred se barre de là, quoi, parce que j'ai pas envie qu'il soit à côté de Footpad. Ça va être chiant parce qu'on est assez loin nous ici. Et sinon voilà, ça serait à peu près tout ce que je voulais faire. Voilà, bah, de toute façon on a fait ce qu'il fallait faire, un répugnateur en plus, ils en font un, et pour ça ils font construire un deuxième temple de Sigmar, et ça je le ferai vraisemblablement ici. On gagne quand même pas mal de fric. Bien, faisons vite fait le petit instant lore concernant les Libolos de Ish. J'ai malheureusement pas trouvé d'image directement sur le wiki, faudrait que je vous montre des images alors du de la figurine. Encyclopédie Total War, mais couille. Bien, les Liboloses de Ish. Bien, on va faire ça vite fait. Les Libolis, parce que je dis Libolos, hein, parce que c'est plus drôle. Et Libolis de Ish est une énorme machine de guerre magique d'une grande complexité, inventée par des hérophantes du Collège Lumineux. L'élément principal de l'engin est un ensemble de miroirs enchantés et de lentilles qui ressemble aux entrailles d'un vaste télescope monté sur une plateforme mobile. Deux acolytes, des étudiants du patriarche de l'ordre lumineux, activent l'arme magique et ses instruments de précision, tout en réglant les focales, en manipulant les prismes ou en polissant les miroirs. Ils psalmotient des sortilèges en permanence afin de canaliser le vent de Ish. Ish, qui est donc Collège de la Lumière. Tandis que leur invocation gagne en rythme et en volume, l'orbe de sorcellerie enchâssée dans la machine brille de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'une aveugle lumière blanche jaillisse des optiques de Lilibolis sous la forme d'un faisceau de feu mystique si intense qu'il vaporise tout sur son chemin.
Enfin oui, ça c'est sur le papier, hein, parce que moi j'ai testé Lady Bolos, ça il le fait pas ça. Enfin c'est bon contre les monstres apparemment. Puis voilà, c'est plus ou moins par rapport au lore vite fait de Lily Bolos de Ish. Et donc de Ish, donc c'est le collège Lumière, et apparemment chaque collège de magie a son Lily Bolos, mais ils peuvent pas l'utiliser pour les batailles parce qu'ils en ont besoin pour protéger des artefacts maléfiques. Donc c'est tellement puissant en fait l'objet, Lily Bolos. La magie qu'ils y canalisent, qu'ils en ont besoin pour protéger des artefacts maléfiques, et que s'ils les protègent plus, ben, ça risque d'augmenter une corruption chaotique, hein, maléfique, bien évidemment. Et voilà. Donc, pour l'instant, on a que Lily Bolos, le Bolos de Ish, et on en a un autre avec le Sévère, Voldemark le Sévère, mais je sais pas c'est quoi comme Oli Bolos. Heliobolos, pardon. Je sais pas de quel collège de magie il fait partie, lui, encore. Je me rappelle plus. Bref, il en a un aussi. Donc, projectile, perforation d'armure, éclair lumineux de Soul Time, aura de magie. Donc, on va le mettre dans une armée plus tard, mais pas pour l'instant. Disons qu'on aura déjà pris le Forop, c'est-à-dire qu'on aura sécurisé quelques territoires ici. Je vais envoyer Gustal aller chercher Lily Bolos. Ça sera bientôt. Mais vous voyez qu'il coûte très cher à l'entretien. Il coûte quand même 550 boules. Donc, on va attendre qu'on ait une économie légèrement plus stable et qu'on ait déjà un front sécurisé avec les vampires. Il faut pas oublier qu'ils sont jusque là, jusqu'à Essen, non même jusqu'à Beschaffen, mais Beschaffen je ne m'inquiète pas parce que le chaos va venir par là. Peut-être qu'ils sont pas en guerre avec le chaos d'ailleurs. Si, ils sont aussi en guerre avec le chaos, donc bon, j'imagine que Carcaon va d'abord les défoncer. Bon, et bien on va passer le tour. D'ailleurs je suis en train de faire une campagne en off avec Arcaon et je viens justement de tuer le seigneur du changement, là. Ah, comment il s'appelle encore, le Piaf. Vous me l'avez dit, mais j'ai regardé encore une fois le nom. Le seigneur du changement, le machin, le gros Piaf. Qui spawn aussi quand vous jouez le chaos, qui vous trace jusqu'à ce qu'il vous rattrape. Et je l'ai battu comme une merde hier. J'étais tellement content. J'ai des agents super pétés en plus qui défoncent la moitié de l'armée à la Rome 2. Pas que de non-agression, non. Comment il s'appelle encore? Oh. Il y a un T et un H dans son nom. Putain, mais ils ont beaucoup d'agents, eux, mais ils en ont déjà deux là-bas. Marienbourg, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, tu as un accès militaire, puisque t'es déjà chez moi, espèce d'andouille. Mais non, mais viens m'aider! Putain, mais quel con. Super, mais on va se faire défoncer. Enfin, on va se faire défoncer, on va devoir faire une bataille difficile. Une alliance militaire, oui. Quelle merde. Ah, ils nous attaquent pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils assiègent d'abord. Quel bande de tafiole. Succès, voilà. Alors, déplacez un personnage vers la région suivante. Karak Ungur. Oh, faites un raid sur une région appartenant à un des ennemis suivants. Mais ça, on va le faire de toute façon. Hein, mon cas, ah, s'inquiète pas. Il y avait un souci, là. C'était quoi? Ouais, donc ils assiègent Beschaffen, c'est chien. Ils ont eu le temps de descendre et tout, quoi. Ok. Donc des deux stacks, ça risque d'être chaud, mais je pense qu'on peut les battre. Le problème, c'est qu'ils ont nouveau. On est fou, le Beschaffen. Oui, on a en plus, on a deux mortiers du coup avec celui de l'armée. Ah non, j'ai pas de mortier dans cette armée. Non, j'ai pas de mortier dans cette armée. Je suis con, il y a l'armée ici à côté. Il va venir nous aider. Ah oui, comme par hasard, il est pas le mouvant. Les mecs, ils calculent bien quand même ces chiens là. Je vais voir quand même si ça marche. Si je me mets ici. Ah, ça marche. Pardonnez-moi, messire. Mais, attendez. Kirchenhafen, en plus j'ai des murs, c'est pas tellement grave qu'ils nous assiègent, mais le problème c'est que... Je peux pas sortir de la ville. Absolutely not. Ah, what? Mais quand tu te fais assiéger, tu peux sortir de la ville sans souci, mon coco? A fool's action. Mais, what? Never. Bon, c'est pas grave, on attendra un tour de plus, de toute façon, il nous faut 11 tours jusqu'à ce qu'il nous gagne, donc c'est pas grave. Mais c'est bizarre, quand t'es dans une ville qui est assiégée, tu peux attaquer, tu peux sortir de la ville, regardez, je peux pas. Tu regardes? Ok, d'accord, ok. Mais putain, mais c'est un Total War, ce jeu, ou c'est un autre jeu, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de jouer à autre chose, là, je crois. Oh là là, plus 3 de corruption, quoi, mais... Allez vous faire foutre, quoi. Ah, Arcaon, il est là. Ah, mais non, c'est déjà... Voilà, Chatornel, bah, tu tombes bien toi, je vais chercher ton nom. Il est en train d'assiéger les vampires, ah bah c'est bien ça, ils vont perdre beaucoup d'hommes sur cette bataille. Mais c'est bizarre, c'est pas Arcaon. Bon, c'est pas grave.
Quoi qu'il en soit, il va s'en prendre plein la gueule, lui. Il me faut un agent ici, vite fait, pour tuer un de ces deux, là. Tu as 36% de chance, et toi ? Non, c'est 36. Bon, bah, vas-y, essaye de tuer lui. Tu vas pas réussir. Bah oui, parce qu'on est en train d'enregistrer. Je connais les bails, hein, vous inquiétez pas. Alors, ici, tac. Voilà, toi, vas-y, dépêche-toi, parce que cette quête me fait déjà assez chier comme ça. J'aimerais bien faire finir avant. Ici, leur république n'est pas du tout gérée. Hein. Pourtant, il y a du vin. Hein. Les gens, ils sont cons. Hein. Allez, encore un tour et on aura ce qu'on voudra. Combien leur public ici? Plus 2. Ah, mais si j'enlève lui, ça va encore baisser. Mais bon, le problème, c'est qu'ici, c'est pire. Putain, moins 5 direct, quoi. Il est efficace, cet agent. D'ailleurs, je crois que je vais en reprendre un nouveau. Tant que j'ai de l'argent. On va prendre un nouveau capitaine de l'Empire. Voilà, parce qu'il gère bien l'ordre public. Revenu de tous les bâtiments. Flegmatique, on va prendre ça. Saut d'argent. Ah, mais... Il fallait que je... Ah, ok. Se lancer à la poursuite immédiatement, rompre un barrage. Alors, on va lire ça. Le sceau d'argent. Le répugnateur rapporte... Ah oui, mais c'est celui, le répugnateur que j'ai envoyé à Reclan. D'accord. Le répugnateur rapporte qu'une femme mystérieuse a été aperçue prenant la fuite, traversant un hameau à l'est d'Altorf. Même si l'indicateur l'a seulement vu se retirer sous la lumière diffuse de la lune, en d'autres mots, il avait fumé un gros pétard, il jure qu'elle chevauchait une créature osseuse qui brillait d'une lueur verdâtre. Le répugnateur la soupçonne d'être un agent des morts vivants. Le Stirland se trouve à l'est du Reckland et au-delà se trouve la Sylvanie. Sans déconner. Centre historique des activités des morts vivants. Sans déconner. Dans la région. Sans déconner. Ainsi, la chasse devrait s'y concentrer. La poursuivre, rompre un barrage. Rompre un barrage. Payer les saboteurs pour rompre un barrage du Stirland inondant la région et ralentir le voleur. La poursuivre, ou la voleuse, non, c'est la voleuse plutôt. Non, c'est le voleur. Se lancer à la poursuite immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait? La poursuivre. On rompre un barrage. Payer des saboteurs pour rompre un barrage du Stirland. Inonder la région. Ah, inonder avec de l'eau. La région, ben non. Le Stirland, il est à nous de toute façon, on s'en fout. Mais bon, maintenant même, on la poursuit. Reporter la bataille suivante menée avec Karl Franz, le sceau d'argent. Putain, décidément, Karl Franz, il est occupé en ce moment. Ouh, c'est bien ce truc là. Bon, ça serait bien pour l'autre. Hein. Alors, bien évidemment, c'est des vampes. Force attendue. Oh, ça va. Le spectre de Karn et tout, c'est chaud, mais le reste, ça va. Mais elle est où cette bataille? Ah, elle est là. Je peux pas la faire avec un autre. Non, je suis obligé de le faire avec Karl Franz, d'accord. Donc, le sceau d'argent, c'est fait. Ça, on a une bataille. Et Cap Saint-Yant, on a aussi une bataille, non? Déplacer un personnage à Karakungorn. Bah oui, Karakungorn là-haut, d'accord. Il est où Roberto? Vas-y, reviens tout doucement sur tes pas, toi. Et tu vas aller là-bas. Tiens, à Grenstadt, je peux augmenter la garnison. Est-ce que c'est nécessaire de le faire, ça? Je peux améliorer la ville, je ne suis pas obligé que j'ai un mage ici pour faire mon business. Un mage lumineux hein, qui fait baisser les coûts de construction. N'est-ce pas magnifique? Alors ici, pour ce que ça me rapporte, je vais pas encore le faire. Puis la garnison ici, c'est pas tellement à l'ordre du jour. Hein. Ici non plus, d'ailleurs. Il peut pas recruter, lui. Par la comète, les dieux. Oh, je te salue. Bon, bah d'accord, bah, ici, rien à faire de spécial. Et toi, tu dois retourner vite fait là-bas. Je regarde dans les constructions à Middenheim. On va enfin pouvoir améliorer ça pour avoir le temple d'Ulrich. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs le temple d'Ulrich là? Donc il fait un gros boost de réduction. Rend du héros recruté 6. Réduction permet de recruter répugnateur joueur. Waouh! Madonna! Ça coûte 15 000 balles par contre. Je vais d'abord développer un peu ici parce que là. Je vais améliorer ici, vous savez pourquoi? J'aimerais construire une auberge dans cette région, parce que les gens font franchement la gueule et ça me fait franchement chier, quoi. 4000... j'ai encore un peu d'argent. Bon, si c'est en stand-by, parce que les mecs nous assiègent, les chiens. Bah tiens, on va finalement faire ce fameux mur à... Quoique... Vous savez quoi, je vais garder mon argent, j'ai besoin d'un autre temple de Sigmar.
Ici, on nous dit qu'on pouvait attendre. Encore un tour et on est prêt. Encore un tour et on est prêt. On est prêt à enculer les salopards. Alors lui, il avait loupé. On va attendre qu'il a fini, lui. N'empêche que quand il aura perdu la bataille... Enfin, il gagnera, peut-être qu'il va gagner la bataille, mais... Qu'est-ce qu'ils ont comme garnison, ici? Il va gagner la bataille, mais il sera très affaibli. On pourrait en profiter pour y aller avec directement avec eux. Mais je vais attendre mon répugnateur d'abord, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de mon répugnateur. Ou alors... je peux pas prendre un joueur d'épée. Pourquoi 6000 balles, sa mère. C'est pas grave, on va attendre un peu. Lui, il est là, d'accord. Bon. On va passer encore un tour, on a 7 tours de recherche encore. On a développé ça pour la... il est pas encore niveau 10, lui, non? Il est pas encore niveau 10, d'accord. Bon, ben, dans un tour, on va bouger ça. Ah, ils sont vraiment tout prêts, les vampires. On pourrait direct faire un blitzkrieg sur leur armée, là. Ah, ben merci. Mais ils ont mis du... Pourquoi ils ont mis un tour de plus? Bastogne. C'est quoi ce truc rouge, là? L'Estalie. Ah, je crois que t'étais en guerre avec eux. Une alliance militaire. Ouais, si tu veux. Alors, tout ça. Ils s'entendent bien avec l'Estalie. Bon, l'Estalie, ils sont partis, là. Oh, on pourrait les pécho, eux, tiens. Ça nous ferait de l'XP gratos. Ah non, ils se cassent. Mais combien de stacks ils ont, là, de nouveau, les mecs? On va direct aller raser ces villes. De toute façon, il y a Karl Franz qui est là pour rester sur le territoire. Avec Marienbourg. On va direct faire le switch ici, tant qu'on y est. Voilà. Alors, hop, toi, tu prends ça. Toi, tu me donnes les deux caves, ici. On peut prendre des joueurs d'épée, ici. Non, pas. 20-20, donc lui il est bien. J'aurais bien pris une unité de flingue ici. De flingue comme ça là. Parce que moi. Allez, Urban. Non, on est bon en fait. On est bon, on va. Ah non, parce que par contre, si maintenant s'ils sont dans cette région là, je vais les rattraper là. En fait, ce qu'on va faire avec cette armée-ci, on va essayer de les tracer eux direct. Si ça se trouve, ils vont même m'attaquer à deux, ça c'est pas mal. Mais non, c'est chiant ça. Marienbourg. Mais Marienbourg les poursuit, d'accord. Bon, si Marienbourg les poursuit, alors ils vont peut-être nous aider. J'aimerais pas qu'ils descendent sur truc. Sur Gorcel. Ça me ferait vraiment yèche, quoi. The nation calls. On march! On va essayer de les rattraper. Et s'ils descendent... Ils pourraient nous m'attaquer moi en même temps, mais... Jusqu'où il peut bouger, lui, déjà? Ah, il peut aller jusque-là. Bon, mais c'est pas grave, ils vont peut-être nous attaquer. Je vais essayer de les défoncer, normalement ça devrait aller. Si Marienbourg m'aide. On perd du temps de nouveau. Mais regardez tout ce qu'ils ont! Comment est-ce que l'IA a le droit de faire ça, nom d'un chien? C'est quand même incroyable. Faudrait revoir tout ce mécanique à la con, quand même. Bon, on gagne quand même pas mal de fric là. On essaie de le tuer lui parce que ça commence à être chiant. Voilà. Parfait. Où est mon répugnateur quand on a besoin de lui? Ouais, il arrive. Ils sont toujours en train d'assiéger. Yes. Ok, on gagne du temps, c'est génial. Et ici, on est prêt à battre les vampires. Putain, il y a Manfred direct là. Putain, on pourrait direct le pécho le gars quoi. Ouais, on pourrait direct le pécho là. Nice. Je vais envoyer machin ici pour l'ordre public. Tac, voilà. Voilà, l'ordre public remonte ici. Lui, il va juste passer ici deux secondes, faire un peu de corruption. Et après, il pourra remonter alors vers la quête. La tactique. Bien, on peut direct. Bon, ça va direct une bataille contre les vampires alors. On va le faire tout de suite, je pense. Je sais pas s'il va vouloir se battre tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut démoraliser l'armée. Est-ce que ça les ralentit, ça? Non.
J'ai pas encore trouvé le truc qui ralentit les armées dans ce Total War. Si vous pouvez me dire ce que c'est. Talabaim. Ah oui, il me faudra des joueurs d'épée ici. Où je les... Non, je peux déjà les prendre là en bas, mais. On va faire. Ouais, j'aurais besoin d'une armurerie pour ça plus tard. On peut déjà la faire, ça coûte 6000. On va peut-être attendre un peu, on va développer légèrement ça. Ça, je fais pas encore, je vais faire le temple que je voulais faire ici. Ouais, il coûte très cher, comme ça c'est fait. Bien, mais on va faire cette bataille contre les vampires, je crois, ici, on va essayer de gagner du temps. Ah putain, ils ont tellement d'armées, quoi. Ils ont tellement d'armées, quoi. Ou alors on va à deux. Mais ils vont fuir tout le temps. Non, je vais laisser lui là, ça va les attirer et puis Marinebourg va venir nous aider. On va faire ça comme ça. Et on va tout de suite déclarer la guerre au vampire. Alors on va faire ça ici. Qu'est-ce qu'on peut lui donner à lui? Dégâts causés supplémentaires, attaquer l'unité. Non, je vais lui faire un coup de sauvage, réservoir là. Lance d'ambre, infliger dégâts perforants efficaces sur portée. Lance d'ambre. Lance d'ambre, ça m'intéresse. Je sais pas, peut-être que lui il peut en fait aller dans l'armée de trucs, parce que c'est vrai que le répugnateur il sera plus utile pour tuer les mecs. Donc faisons ça comme ça. Bien. Eh ben on y va. La guerre contre les vampires a commencé. Craignez mon curu. Mon curu. Voilà, alors je vais demander. Appelez vos alliés à l'aide. Oui, allez, on demande tout le monde à l'aide. Et voilà. Le PLS a commencé, bande d'enculés. Oui, il voulait se battre. Quelle bande de chiennes. Dégâts de perforation d'armure. Alors ça, je crois que je vais même l'ajouter sur... Alors attendez. Puissance des armes 39, 45. Plus les dégâts de perforation d'armure, ils vont faire un massacre. Qu'est-ce qu'ils ont eux en face? Ils ont deux sorciers, une sorcière et une spécialiste de la mêlée. Donc déjà, c'est la merde. Ils ont beaucoup de sorciers sorcières. Moi, j'ai mon mage de lumière. Et je pense qu'on est bon. Allez, on y va. Et oui, je fais la bataille, je vais vous montrer un beau replay, parce que la première bataille contre les vampires, on va quand même la faire. Surtout contre Manfred. C'est en mêlée que ça va être chaud, mais on va tenir le coup, je pense. J'ai mes flageolets, j'ai mon joueur d'épée. Ça devrait le faire. Bien. Oh, on a déjà 21, génial. Génial, ben, je place mes hommes et on se retrouve vraisemblablement dans le replay, à tout. Et donc on est là à la bataille contre les vampires, avec mon armée lumineuse, l'armée de la croisade de la lumière qui va donc... conquérir les pays vampires. Et donc, je vous montre mon placement. Alors ici, je suis en train de faire bouger mes unités de chevaliers demi-griffes, halbard et les Reichsguard qui vont faire le tour. Ma Reichsguard. Et là, je commence à les pilonner. Je me concentre sur leurs gardes des cryptes qui ont des armes lourdes et qui sont quand même déjà pas mal rankés. Donc je me concentre vraiment sur avec mes canons. Tandis qu'ici, j'ai mis une grosse ligne de tir qui va commencer à tirer. Mes milices... La franche compagnie sont devant pour faire le maximum de dégâts. Et donc vous allez voir comment on va utiliser le filet d'ammonioc. Vous montrer comment vous pouvez utiliser ce filet. Donc ceci. Ah, on le voit pas là. C'est moi, je comprends pas. Attendez, là j'appuie sur l'unité. Non, je peux pas regarder, d'accord. Donc là, et ici j'ai placé mes flageolets qui sont ici. Donc si eux ils essaient une contre-charge contre mes unités de tir, et ben les flageolets peuvent descendre, intervenir. Et là on a des très beaux tirs hein, sur leurs unités déjà. J'attends qu'il soit ici, au fait, pour mettre le filet en position. Ma cave commence à se placer. Et on commence à pilonner les premiers vampires de la campagne. Histoire de leur montrer c'est qui le patron dans le vieux monde. Elle est très forte en mêlée, hein. Elle va nous faire très chier.
Voilà. Ils sont presque en position. Je vais bientôt utiliser le filet, mais pas encore. Là, je vais profiter des beaux tirs déjà qu'ils ont, ces mecs-là. Là, je vais bientôt utiliser mon filet, mais pour l'instant, on a de très beaux tirs. Et voilà, le filet que je vais utiliser là maintenant. Et c'est parti. Toutes les unités qui rentrent dans ce cercle sont stun, sont bloquées. Et là, je vais en profiter pour tirer. Regardez, et là, vous tirez à mort sur les unités. Regardez. Et je concentre aussi les tirs d'artillerie. Et là, ça fait des dégâts. Mais en veux-tu, en voilà, cocotte. Regardez-moi ça. Comme je pilonne ces unités. Tandis qu'ici, une mêlée a s'enclenché, mais j'avais une unité de bretteur prête. Une unité de bretteur spéciale d'ailleurs, les Bretteurs von Eisen. Salut à toi qui a donné le nom de cette infanterie. Et là on recule donc la franche compagnie, ici ils se laissaient les tenir, ils ont un petit boost. Et là on a des très beaux tirs sur les unités là. Bon, ça rame un peu quand je ralentis, quand je m'approche. Ici ma cave derrière qui... Ouh, un petit coup de TK là, c'est pas grave. Et elle va nous flécher la harpie là, très très fort en mêlée ces machins là. Ici on a déjà gagné la mêlée, le centre, il y a le général de l'Empire, notre ami qui va se concentrer sur le centre. La Macaire qui attire plutôt l'attention, c'est plutôt une bonne chose, ça me permet de pilonner un corps. Ici il y a Manfred, un peu idiot. Et là on a un très beau tir sur le centre qui est complètement détruit. Ici j'ai décidé de rabattre la franche compagnie ici parce qu'on est en train de perdre un peu la mêlée là. On va faire un peu slow-mo parce qu'on a du temps, c'est assez court de la bataille en fin de compte. Donc ici la harpie, mais j'ai envoyé quelques flageolets contre elle. C'est juste le seul moyen de la battre, je pense. Ici mon mage va bientôt refaire un petit filet bientôt. Un filet de osier. Ici, parfait. Ici aussi on est en train de complètement gagner le centre et mon général s'est occupé du reste ici. Il a pas d'arme. Ah, son épée est buggée. Ou il se bat avec ses poings, j'en sais rien. Il est tellement badass le mec. Et là, donc ici, je rabats ma cave, j'essaie d'attirer encore l'attention pour gagner du temps et essayer de me concentrer sur le centre ici. Ici, on a des beaux tirs d'artillerie, enfin d'artillerie d'arbalétrier. Ici, la franche compagnie qui concentre ses tirs sur les flancs ici. Je perds un peu mes mots aujourd'hui, désolé. Et donc, tac, ici, on se concentre, on tire sur le mage ici. Il faut absolument tuer ces mages et ces sorciers, parce que c'est eux qui poseront le plus de problèmes, je pense. La garde de crypte qui s'en prennent un coup plein la gueule ici. Mais ils vont quand même réussir à nous charger. Et le filet qui... Là, il y a tellement de choses qui vont se passer parce que regardez, là j'ai mis mon filet. J'ai reconcentré les tirs ici donc ils vont perdre énormément d'hommes. Enfin si on peut encore appeler ça des hommes. Et ici une belle charge de mes beaux demi-griffes à hallebarde. Ça c'est la crème de l'Empire. Hein. Ça c'est l'unité, je peux vous garantir qu'elle défonce tous ceux qui bougent. Je suis tellement content de pouvoir compter parmi notre armée. Et ici Manfred, le pleutre, qui préfère aller se battre contre des flageolets plutôt qu'affronter le grand général. Et donc ici on va avoir droit à la belle charge. Hop là, voilà, ça fait le ménage. Hein. Là, c'est comme quand tu passes à l'aspirateur, grosso merdo. Et là, hop, je me rabats avec ma Rage Guard qui va essayer de choper un peu le sorcier. Ici on les ralentit bien, on gagne du temps et hop je me rabats direct pour aller charger parce que je venais de voir que Manfred avait chargé mes flageolets, le pleutre. Et donc ma Rage Guard va faire un beau mouvement dans les rangs ennemis et charger Manfred lui-même. Ici j'ai eu un petit TK que je ne pouvais pas. Regardez, elle est tellement forte la harpie. Donc j'ai décidé après dès que ce centre sera terminé de me rabattre sur elle. Et là Manfred va se prendre une belle charge dans la tronche. Oui, sa vie qui va quand même pas mal dropper, quoi. Ouh, et là le mage qui a réussi une belle petite attaque. Ici c'est gagné, hein. Même s'il y en a qui ressortent des bois, c'est pas grave, il y a les prêteurs qui restent en alerte. Ici on va se reconcentrer sur leur mage. Le centre est gagné, on va pouvoir se rabattre sur Manfred. Cette harpie n'est toujours pas morte, mais c'est pas grave. Je pense que mes joueurs d'épée vont faire le ménage. Et là, on a réussi à bien se rabattre, hop, contre le mage, là. Oh là là. Ils s'en prennent tellement plein la gueule. Et là, hop, détachement de mes demi-griffes qui font se rabattre sur la harpie. Ici, on tient.
protège les arrières des demi-griffes. Ici, on se rabat avec la Rage Guard. Les flageolets, ils ont pas beaucoup d'armure, mais ils ont un moral de malade mental, comme vous pouvez le constater. Ils se prennent quand même Manfred Frankenstein dans la tronche. Frankenstein, pardon. Et là, mon général qui va à la rescousse. De mes griffes qui sont un peu bloquées là, mais qui se détachent, qui vont aller montrer un peu à la harpie ce qui commande ici. Voilà, là, la harpie par contre, attaquer les demi-griffes. Et hop. Et là, Manfred va mourir. Et la bataille sera donc terminée directement après sa mort. Je sais pas qui va le tuer, qui va avoir une médaille. Oula. Et ben, c'est un des flageolets qui a réussi à blesser Manfred. Génial, bien joué, les gars. Et on se retrouve direct sur l'écran de fin de bataille. A tout de suite. Ah. Oh merde. J'ai oublié de sauvegarder le replay. Ah. C'est pas grave. De toute façon, il sauvegarde toujours le dernier replay. Voilà. Donc on a réussi à tuer Manfred Frankenstein. Qui n'est sûrement pas mort. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'il a sauvegardé. Oui. Putain, je suis con. Bon, c'est pas grave. On s'est bien marré en tout cas. Ça m'a bien fait marrer. Vous avez vu comme ça a bien marché avec le filet d'Amokips. Enfin, je sais pas quoi. Vous voyez, vous essayez de ralentir un gros stack d'ennemis. Et puis vous tirez dessus avec les canons ou avec vos sorts. Et contre les vampires, ça marche super bien, quoi, parce qu'ils sont très sensibles à la lumière. Putain, il a morflé sec, hein. Oh loulou, là. Et voilà le travail, bonus de charge, tout le tralala. Voilà. Donc, l'épisode va être terminé, je vais juste les finir. Il fait boire le Mario, lui, maintenant. Et voilà, première défaite des vampires déjà. Une grosse armée. Ah, ici, ouais, ici ils peuvent ressusciter au fait des morts de leur armée. Mais ils n'auront pas le temps de le faire parce que je vais aller les démolir. Donc on va améliorer notre agent ici, je vais lui donner un cheval. Voilà, parce que je vais lui faire, comme ça il sera plus résistant. Cheval de guerre. Ah, et le mage aussi, il a gagné un rang. On va améliorer le filet d'Amintok, oh là là, et comme ça au moins on sera boosté à mort. Génial, donc du coup là maintenant on a l'avantage contre les vampires. On va tout de suite dire aux nains de venir nous aider et puis après on se fasse quitter là avec cette première bataille rudement menée. Donc vous allez m'aider à tuer cette armée si vous le voulez bien. Karaknorn, vous aussi, vous allez m'aider à tuer ces armées. Qui est un grand gars avec les vampires? C'est les seuls nains qui sont en guerre avec les vampires. Ah, Karaxiflin aussi. Ah, je leur ai déjà donné une cible de guerre. Mais c'est peut-être... Oui, non, si. Ils peuvent garder cette cible de guerre, là. Je vais même leur demander celle-ci. Je sais même pas où ils sont, Karaxiflin. En tout cas, la guerre a commencé contre les vampires. Première victoire contre Manfred lui-même. Cette armée est très bien contre les vampires. J'en suis très fier. Et on va enchaîner au prochain épisode avec la prise de la Sylvanie occidentale. Et les premiers combats contre ici pour complètement raser tout ce territoire et se concentrer sur Chartorel qui lui est en train d'assiéger une ville vampire. Heureusement, ça nous permet de temporiser. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'est Rashidus, mettez des likes, des commentaires, vous abonner si vous le souhaitez. Les batailles reprennent, quel plaisir. Nous gagnons de l'argent, nous avons des bonnes unités. Merci à vous encore pour vos conseils, votre soutien. Et on se retrouve au prochain épisode. Ah, ou bon week-end, c'était Rashidus. Ouh yeah, pour Sigmar.